Il y a un grand mouvement ici. Chirac. T'es tout seul, mon con. Je te le dis, là, t'es tout seul. Non, je préfère te le dire, là. Tout seul. En tout cas, voilà, est-ce que Barack est au courant, si on peut l'appeler par son petit nom? On y travaille, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de presse, notamment anglo-saxonne. Oui, beaucoup, effectivement, aux États-Unis. Ça a été pas au courant. Ah, bah, non, ouais. C'était pour faire de se détendre. Merci d'être passé là. Vous êtes, vous restez anonyme, mais le site ne l'est pas. L'adresse du site pour signer éventuellement la promesse de vote, puisque vous avez besoin d'un million de signatures d'ici 15 jours. Voilà, ouais, 500 000 suffirait. Ouais. Il y en a combien pour le moment? Il est en studio et personne ne l'interroge. Je l'ai entendu chez vous. Mais oui, il est là. Posez-lui des questions. Allô? Allô? Bonsoir. Comment ça va? La pêche? Ouais, je vais vraiment très bien. Là, j'ai un peu mal au dos, mais ça va sinon. Qu'est-ce qui s'est passé à ton dos? Je fais une rupture des ligaments croisés du dos. Une interview exclusive de Barack Obama. Prévenez vos amis, Barack Obama est en ce moment sur Radio Nova à 7h48. Soyez gentils, prévenez vos amis, c'est très rare, on ne savait pas qu'il parlait si bien français. J'ai pris un peu de ventre. Pardon, plein de questions à vous poser, mais il y en a tellement, c'est tellement intimidant, tous les journalistes du monde voudraient être à ma place, alors ça va sinon là, C'est chouette la vie quand même. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, je ne suis pas le meilleur. Oui, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai pris un bon café, après j'ai pris un thé. Les études des filles, ça va? Pas trop avec Charline, mais j'ai oublié son prénom. Super interview. Vous pourrez dire « j'y étais ». Vous pourrez dire, c'est ce matin-là, ce 1er mars-là, j'ai assisté à cette interview exclusive pour Radio Française. Vive la France!